Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces énergies de la semaine et de l'astro-chance pour la semaine à venir, la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé tous un bon week-end, que vous êtes prêts à rattaquer cette semaine, sachant que la semaine sera un peu plus courte, sachant que lundi c'est férié. Alors, avant de commencer, j'en profite juste pour vous parler d'un petit quelque chose dont je vais vous faire la review. C'est un super outil. Alors, c'est pas du tout pour faire du placement de produits, hein, ni pour promouvoir la chaîne de Lisbeth Nemandi. Un petit peu quand même. Non, c'est juste pour vous dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour certains d'entre vous connaissent, puisque il existait l'agenda de pratique version 2019. Et je connaissais pas du tout, donc j'ai pas jugé utile en fait d'acquérir la version 2020 puisque bah 2019 pardon, puisque bah hein, on est au mois de novembre, donc je voyais pas trop l'intérêt d'investir pour un mois ou deux, ça valait pas le coup. Donc j'ai préféré partir sur du propre et directement prendre la version 2020. Je vous ferai la présentation parce qu'honnêtement, je trouve c'est un super support. Je vous expliquerai, hein, vous verrez, je vous montrerai en détail. J'ai commencé à le remplir hier, toute la nuit. Hein, je vous montrerai un petit peu tout ce que j'y ai fait dessus. C'est un super outil de travail pour travailler au quotidien qui permet un petit peu de cadrer, etc. C'est une mine d'informations. Il y a plein de choses intéressantes à savoir. Voilà. Mais ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Allez, parce que ce n'était pas le sujet du jour, entre guillemets. Donc on y va, on utilise les jeux que vous connaissez tous maintenant. On fera donc nos énergies maîtresses de la semaine avec le Fantabuleux, la rune de la semaine, ainsi que ça sera utile. J'arrive pas à parler, j'arrive pas. Excusez-moi, on se reprend. Donc on fera la rune de la semaine, on fera également les énergies d'amour couplées avec l'oracle de Massosso, l'oracle de Sceaux. On fera notre tableau analytique avec l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy avec le carré fantabuleux. On se fera nos petites boules divinatoires, notre petite pensée philosophique, enfin notre petit rituel, hein, puisque j'avais changé de jeu, avec le petit oracle grimoire de magie de la belle Ève Corrigan qui sort du coup cette semaine, hein, donc ça y est, vous pourrez enfin l'acquérir. On se fera nos deux questions fermées avec l'oracle, le petit oracle des merveilles. Je sais même plus comment mes jeux s'appellent. La pièce de fortune et notre petite baguette chinoise. Allez, on y va. Excusez-moi, en vérité, au moment où je tourne la vidéo, je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps. Et comme j'ai beaucoup de travail aujourd'hui dimanche, j'ai voulu ne pas perdre de temps et commencer le plus rapidement possible. Puisqu'en plus, il faut que je compresse la vidéo, que je la poste sur YouTube, donc ça va prendre du temps. Et comme j'ai aussi d'autres choses à faire, ça va demander encore plus de temps. Donc plus je commence tôt et mieux ce sera. Allez, on y va déjà avec nos énergies maîtresses de la semaine. Du coup, j'ai opté et voté pour vous mettre l'astrochance avec les énergies de la semaine, puisque d'après tous vos retours que j'ai eus, vous préférez largement, et je trouve même plus logique de vous mettre l'astrochance avec les énergies de la semaine. De mon côté, moi, ça me fait moins de travail, ça me fait moins de vidéos, entre guillemets, à tourner, à compresser et à publier. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Et puis, au moins, vous avez tout sur une même et seule vidéo. Ça paraissait plus logique. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Je sais pas. J'étais parti à faire deux vidéos différentes. Il y a des fois, on se complique la vie alors qu'il n'y aurait pas lieu. Hein, mais bon. Allez, on y va pour... Non, qu'est-ce que je fais? On fait pas les énergies du jour, là. On fait les énergies de la semaine. Oh, Jonathan, concentre-toi, bon sang. Alors, ah, contrat est mort. Alors, donc, ici, ça nous parle, pour cette semaine, ça va nous parler de contrat. Alors, ça peut nous parler de fin de quelque chose, de fin de contrat. Peut-être que cette semaine, on va arriver sur la fin d'un CDD, la fin d'un engagement, la fin de quelque chose, la fin de quelque chose qui peut vous lier aussi, hein, parce qu'un contrat, c'est pas toujours positif, hein. Alors, si on parle d'un contrat de travail, tout ça, oui, enfin... Là aussi, les contrats de travail, ça dépend. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Si c'est un travail que vous adorez, c'est positif. Si c'est un travail qui est en train de vous pourrir la vie, c'est
C'est négatif. Mais ici, ça nous parle de fin de contrat, de fin d'engagement, de quelque chose qui ne vous liera plus. Alors, ça peut être... Pourquoi pas, ça pourrait être par exemple un jugement qui serait rendu par rapport à un procès, ça pourrait être un acte notarié qui vous permettrait de vous débarrasser de quelque chose. Imaginons que vous êtes en train de vendre votre maison, ça peut être par exemple cet acte-là qui va vous permettre de vous débarrasser officiellement de votre maison ou d'avoir enfin l'esprit libre. Ça pourrait être, c'est que ça peut être tellement plein de choses, hein. Ça pourrait être un divorce qui est officiellement prononcé, ça pourrait être... Alors ça peut aussi nous parler de quelque chose qui se termine pour quelque chose qui se commence, hein. C'est pas forcément la fin d'un contrat, mais ça peut très bien être la fin d'une situation pour débuter quelque chose de nouveau, hein. Je prends un exemple, imaginons ici ça pourrait très bien symboliser une période de chômage, et c'est la situation de chômage qui va prendre fin. Car vous avez signé un contrat, enfin vous allez signer un contrat, il y a quelque chose qui va se signer. Vous voyez, ça peut être pris dans ce sens-là aussi, hein. Ça peut être la fin de quelque chose, une situation qui va se terminer pour donner lieu à une nouvelle situation grâce à un contrat qui va être signé. D'accord? Allez, on va voir, on va un petit peu détailler tout ça. Hop! Allez, on se met ça là. Les runes, les runes, les runes. On va se faire notre rune de la semaine. Hop, allez. Ah, j'ai une rune qui s'est retournée. C'est la rune de Nodiz qui nous dit, qui nous parle de contraintes, de sacrifices, de protection. Est-ce que je prends le risque de la remettre dans le paquet pour qu'elle ressorte, hein, comme ça avait fait la semaine dernière? Je sais pas si vous vous souvenez, c'était assez drôle quand même. Bon, vous le saurez, c'est Nodiz qui est sortie, donc si elle ressort là. C'est que ce sera elle qu'il faudra que je prenne. Allez, attention, vous êtes prêts? Et c'est... Non! C'est Agalaz qui nous parle de destruction, d'obstacles et de mystères. Ah, destruction, ça pourrait plutôt bien coller avec l'aspect de quelque chose qui se termine ici. Obstacles et mystères, on va voir ce que ça va nous détailler, hein, parce que ça peut être... Encore une fois, plein de choses. Les obstacles, ça peut être lié par exemple à la mort, quelque chose qui va se terminer, ça peut être un obstacle. Peut-être que le contrat en question peut être aussi un obstacle parce que c'est pas forcément positif, ça peut être quelque chose qui vous lie. Imaginons, moi je sais pas, un crédit que vous êtes contraint de prendre parce que, imaginons que vous avez eu plusieurs soucis financiers et que bah, vous n'ayez pas d'autre choix que de prendre un crédit pour pouvoir combler, je sais pas moi, un découvert, payer une facture, un truc qui n'était pas forcément prévu. Et du coup, ça va vous contraindre, ça va rajouter un obstacle. Ça peut être ça. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, notre... carte de la semaine, c'est la maison, la retenue, la stabilité et le protectionnisme. La carte 36. Très joli, on a un très joli château. Bah regardez, c'est marrant, c'était la carte de la semaine dernière. Elle était collée avec l'autre. Alors, on y va, on va se faire notre tableau analytique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de tomber? Ok. J'ai une carte qui avait glissé du paquet, je l'ai juste regardée par curiosité. Alors déjà, vous voyez, je vous parlais, c'est marrant parce que je vous parlais d'actes notariés avec la fin de quelque chose, et ici on a la maison qui sort, et je venais de vous parler de la maison. Alors c'est marrant, hein, ça pourrait, du coup, ça pourrait confirmer qu'il s'agirait de quelque chose qui est lié, un contrat qui lie à la maison. Alors soit qui peut lier à une maison, soit qui va vous permettre de vous libérer de ce lien avec la maison, hein, puisqu'en plus ici on a l'aspect destruction, donc destruction ça peut très bien être synonyme de mort, de la fin de quelque chose. Allez, on y va, on choisit nos cartes. Ah bah, celles-ci, elles sont ensemble.
Vous avez droit à un petit son de bol tibétain. Tout, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et la dernière, celle-ci, elle me parle bien. Allez, on y va pour notre tableau. Je suis dans le cadre, oui, nickel. Allez, on va se faire quelque chose d'un peu plus propre. Allez, et on y va. Donc pour le mot-clé ici, ça va être la maison. On va avoir la valise, la tornade, l'usine et le lien. C'est marrant, décidément, hein, ce lien, il ressort à chaque fois. Alors, c'est marrant aussi parce qu'on a sur la rune d'Agalaz, on a la destruction et on a la tornade qui vient de sortir. La tornade, justement, qui nous parle de destruction. Pour moi, ça ne parle pas forcément de destruction au sens propre du terme. Ça pourrait être le fait de quelque chose qui s'arrache avec violence. Hein. Quand vous avez une tornade qui passe sur votre maison, elle fait pas dans la dentelle. Hein. C'est-à-dire qu'elle va pas vous faire la poussière et vous aspirer le sol. Non, elle vous aspire la baraque intégralement. Donc pour moi, il y a le fait d'extraire quelque chose de façon violente, enlever quelque chose. C'est-à-dire que non seulement on l'enlève, mais c'est détruit entre guillemets, c'est-à-dire que ça paraît un peu violent ce que je vais vous dire, mais toujours pareil, quand une tornade vous arrache votre maison, quelque part elle vous arrache aussi vos souvenirs qui vont avec, parce qu'elle vous prend tout, elle vous prend les photos, elle vous prend tout ce qui était tout ce qu'on avait pu vous offrir, tout ce qui était des souvenirs, voilà, elle vous enlève tout. Donc pour moi ici, en plus couplé avec la valise, ça parle vraiment de quelque chose qui va s'arrêter net cette semaine. Hein. Et ça revient, j'arrête pas d'y penser, sauf que ça va pas parler à tout le monde forcément, mais j'arrête pas de penser à la vente de maison, à la vente de biens immobiliers. Ça peut être. Alors j'espère pas aussi. Hein. J'espère pas, mais. Non, en même temps, il n'y a pas la carte de la justice, donc je pense pas. Mais ça pourrait nous parler d'huissier aussi, hein, quelque chose peut-être en lien avec des huissiers. Peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. Commencez pas à prendre peur. Je dis bien peut-être. Ici, il y a quelque chose qui est lié avec le travail aussi, avec la profession. Alors, est-ce que vous allez être obligé de quitter, ça aussi, ça pourrait être logique, hein. Est-ce que vous allez être obligé de quitter, peut-être que c'est une mutation qui vous attend, et par conséquent, oui, vous allez être arraché de votre maison, arraché de votre domicile, arraché de votre foyer pour partir ailleurs, hein, puisque c'est le principe d'une tornade. Très souvent, elle arrache ce qui est en place pour aller le mettre plus loin, plus ou moins dans un bon état. Mais ici, oui, ça pourrait nous parler d'être arraché à ses terres, arraché à quelque chose. En plus, comme je l'ai dit, avec la valise, on a cet aspect de. Alors, ça peut être un déménagement aussi, hein, peut-être un déménagement précipité. Ça peut être ça. Peut-être une décision qui va être prise rapidement. Ça peut être en lien avec le travail. Alors ça peut être, comme on a ici la mort, ça peut être une perte de travail. Et comme vous perdez votre travail, peut-être que vous n'avez plus les moyens. Alors je sais, c'est pas forcément joli, joli ce que je dis. Mais c'est aussi le reflet de la vie et de la réalité. Peut-être que vous avez perdu votre travail et que vous n'êtes plus en mesure de pouvoir continuer à assumer l'endroit que vous avez, la maison que vous avez, l'appartement que vous avez, et que vous allez devoir réfléchir à une autre solution, vous allez être obligé de partir. Ça peut être ça, hein. Ça peut être la mutation, dans un terme un peu plus positif. Et ça peut aussi nous symboliser peut-être le fait de couper avec des choses qui vous rattachent, hein. Ici la tornade et le ruban, ça peut être des choses qui vous rattachent. Peut-être que cette semaine, il va falloir placer cette semaine sous le signe de un très grand et gros nettoyage. Alors pas de printemps, mais d'hiver. ça pourrait être un très gros nettoyage sur le fait qu'il faut se débarrasser des choses qui nous retiennent, supprimer ce qui ne nous convient plus, et avec ce caractère d'arracher comme ça, hein. C'est-à-dire que voilà, on prend la décision que ça ne nous convient plus, qu'on n'en veut plus dans notre vie, donc on l'arrache, on l'extrait et on le jette, on le dégage.
Hein, parce qu'ici, ça peut être le travail, comme ça peut être les cheminées qu'on peut prendre. Hein. Et les cheminées, c'est quoi? C'est tout ce que l'on peut incinérer, à savoir tout ce que l'on ne veut plus, eh bien, on va le brûler et on va le faire disparaître. Hein. Donc, ça rejoint encore la tornade, ça rejoint l'aspect destruction, ça rejoint l'aspect mort. Pour moi, clairement, auprès de la maison, ça nous parle cette semaine de se débarrasser des liens, ça nous parle soit de destruction, du coup je comprends mieux, hein, c'est le fait de se débarrasser, d'incinérer tout ce qui ne nous convient plus, il est temps de faire un grand nettoyage dans votre vie, ça peut être dans plein de domaines, hein. Imaginons, moi je sais pas, ça peut être dans le domaine sentimental, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, hop, on fait le nettoyage, ça peut être dans le domaine professionnel, il y a des choses qui ne vous conviennent plus, hop, on fait du nettoyage, enfin voilà, ça peut être dans la famille, dans plein de choses, hein, mais voilà, ici ça nous parle effectivement. Effectivement, je vous le confirme, du coup, de destruction dans le sens, alors pas destruction, détruire juste pour détruire, pour faire plaisir, non, détruire, synonyme incinération, vous voyez, on détruit quelque chose, mais pour se débarrasser de quelque chose. Et comme je l'ai dit, gardez aussi en tête les maisons, les contrats, les actes notariés, les divorces, les rapports de justice, les décisions, les, je sais pas, ça m'est venu, donc gardez-le en tête. Allez, pour le mot retenu. Ah, et ben c'est joli ça. Regardez, on part sur quelque chose de plus ou moins négatif pour en arriver à quelque chose de positif. En plus, la retenue pour moi, c'est un mot synonyme ce que l'on va garder. Hein, la retenue, ce que l'on garde. Hein, comme par exemple dans une multiplication, vous savez, la retenue ou l'addition, hein, quand on fait une retenue, c'est quelque chose que l'on garde et que l'on va venir additionner. Et faites exprès, regardez, on a le plus ici, donc ça nous parle d'addition. Une retenue qu'on va venir additionner. Donc pour moi, je pense que ce qui va se passer cette semaine, c'est que vous allez prendre des décisions pour vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus. Vous allez couper des cordons, hein, couper des liens sur plein de domaines. Et soit vous allez garder certaines choses de votre passé ou de votre vie qui vous seront utiles pour la suite, soit au contraire, le fait de vous débarrasser de certaines choses, ça va être une plus-value qui vous permettra de pouvoir avancer à nouveau. Un petit peu comme un arbre, par exemple, un arbre qu'on va élaguer, on va couper toutes les branches pourries pour que l'arbre puisse repartir en bonne santé et qu'il puisse à nouveau faire de beaux rameaux, sains, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort ici. Et puis ici, on n'a vraiment que du positif, à savoir on a l'abondance et la croissance qui revient. On a le pentacle qui est un symbole de protection. Donc cette semaine, vous allez être protégé. Vous allez être guidé. On a l'œil ici. Donc l'œil, c'est pas forcément l'œil, le mauvais œil. Ici, un non, c'est plutôt un bel œil. C'est-à-dire comme si on vous voyait, comme si vous étiez protégé, voyez, comme si vous étiez guidé un peu par, ça peut être, je sais pas moi, par la vie, les anges, vos guides, enfin tout ce en quoi vous croyez. Pour moi, je pense que cette semaine, vous allez être guidé vers ce que vous devez accomplir. Ici, on a la bouche qui peut nous représenter soit des choses que l'on va vous révéler, des choses qu'on va apprendre, soit ça va être des choses qui vont être dites, soit c'est peut-être vous aussi qui allez vous exprimer ou qui allez dire des choses, mais c'est dans un cadre positif, hein, c'est toujours dans cette dynamique d'évolution, hein, de se libérer de choses positives. On va être, alors ça pourrait être par exemple des compliments, imaginons des compliments de votre patron pour vous encourager. Ça pourrait être des compliments au sens général aussi, hein. Ça pourrait être des choses qu'on va vous dire pour vous motiver, pour vous faire avancer. Ça pourrait être des réponses positives qu'on va vous communiquer. Ça pourrait aussi, parce que j'ai l'impression qu'on a tous les sens là. On a quand même la parole et le regard, la vision. Donc on a quand même deux sens qui sont très importants, hein. Oui, voilà. On va voir avec les autres. Parce que les messages sont limpides. Alors, quand les messages ils sont limpides, bon, il n'y a pas besoin d'épiloguer hein, 300 ans dessus. Alors là, c'est marrant parce qu'on a le soleil et on a la lune en même temps. On a deux choses qui. Et c'est drôle, c'est très drôle parce que regardez, le mot-clé ici, c'est stabilité. Et la stabilité, on a en opposition la lune et le soleil. On a les genres, donc les genres hein, qui reviennent encore à cette stabilité. Et puis, on a cette ligne droite comme ça qui divise. Donc, c'est très drôle parce qu'effectivement, ici, cette semaine, ça va nous parler d'un certain équilibre que vous allez réussir à trouver.
Alors, ça peut être, pour moi, je pense que ça part d'ici. Il va falloir d'abord commencer par dégager tout ce qui est, voilà, tout ce qui est négatif, tout ce que vous ne voulez plus. Voilà, préparer. Hein, imaginons que ce soit un déménagement. Dans un déménagement, on fait toujours du vide. Hein, on dégage toujours des merdouilles qu'on veut plus, même si on va en accumuler d'autres. Mais on fait toujours du vide. On dégage ce qu'on ne veut plus, on ressasse les souvenirs, etc. Si on prend des décisions, si c'est des mutations, etc. Pareil, il faut quitter l'endroit où l'on était pour débuter autre chose. Enfin, vous voyez, dans le chaos et dans la destruction, il y a toujours du nouveau et il y a toujours une sorte d'osmose et d'équilibre et d'harmonie vers laquelle on tend. Eh bien, effectivement, je vous le confirme, cette semaine, donc cette stabilité va se traduire par une prise d'équilibre qui va se faire. C'est-à-dire que vous allez passer un petit peu de la nuit au jour, hein, ça pourrait être ça. Les genres pourraient aussi nous parler peut-être de relations qui vont évoluer ou de situations qui vont évoluer. Les genres, c'est une carte qui est assez générale. Imaginons que vous ayez, on va prendre pour que ça puisse vous parler de façon très concrète. Imaginons que vous soyez ami avec quelqu'un depuis des années, et puis votre amitié a toujours été plus ou moins ambiguë, enfin voilà, vous sentez qu'il n'y a pas que de l'amitié. Eh bien, cette semaine, par exemple, cette personne pourrait se révéler en vous disant qu'effectivement, ce n'est pas que de l'amitié qu'elle éprouve pour vous, et du coup, que vous changez ce statut d'ami en amour. Voilà. C'était un exemple, hein. C'est pas forcément ça, mais c'est un exemple pour vous illustrer. Donc ici, ça nous parle vraiment de polarité, ça nous parle de passer de la nuit au jour, ça nous parle de prise de décision qui vont être radicales, hein, puisqu'on passe d'un astre à un autre qui est complètement différent. En plus, si vous regardez ici la carte avec la ligne qui est prête à découper, on a une partie qui est sombre, une autre partie avec des étoiles. Donc ça nous parle encore de ce côté de basculer d'un côté et de l'autre. Ça pourrait nous parler de changement. Mais un changement, attention, hein, un changement qui est positif, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va venir chambouler de façon négative. C'est un changement positif puisque ça va apporter cette stabilité-là. Et comme vous voyez, cette ligne, elle, c'est comme une étiquette, hein, qui est prête, qu'on peut découper, qui est prête à être découpée. Eh bien, c'est comme si cette semaine, votre situation qui va se présenter ou ce que vous allez vivre à l'heure actuelle est arrivée à son point de maturation et qu'il est enfin temps de récolter le fruit ou de couper. Hein. Peut-être que ça y est, vous arrivez enfin à la fin, au bout du bout et qu'il va falloir couper maintenant, il va falloir prendre la décision. Il va falloir couper une bonne fois pour toutes. Allez, on va voir avec le protectionnisme. Regardez, je viens de vous dire quoi? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je parlais de couper, regardez, on commence avec le ruban ici qui est entier, on fait notre petit cheminement, on prend la décision de couper et boum, les rubans sont coupés. Ah bah. Ok. Ah bah regardez, oh là là, ok. Bon, alors clairement, quand je vous parlais de choses positives, oui, on est sur du positif, je vous le confirme, puisque ici, ça nous parle de liens. Alors, ça peut être des addictions, ça peut être des liens, ça peut être des dépendances, ça peut être plein de choses, plein, 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 plein de choses. Ici, là, sur les rubans coupés, toute la trame du ruban, toute la trame du ruban, vous y mettez la problématique que vous voulez. Voilà, vous mettez ce que vous voulez dessus, mais très clairement ici, ça nous parle du ruban, des liens qui sont coupés. En plus, on a la réponse oui. Donc, en toute logique, hein, pour les questions fermées, nous devrions avoir soit trois réponses oui aux pièces de fortune, soit le roi de cœur qui va sortir. Mais ici, on a une réponse oui. Donc, si vous aviez une question en tête, s'il y avait une problématique que vous aviez en tête, eh bien, sachez que là, tout de suite, à prime abord, c'est un oui qui est sorti. Je le dis et je le redis, ce n'est pas un oui punitif, hein, c'est un oui positif, d'accord? Hein, si jamais vous dites est-ce qu'il va me quitter et que intérieurement vous dites, enfin vous espérez que ça n'arrive pas, du coup le oui est à prendre en non, d'accord? C'est un oui rassurant, un oui positif. Nous avons l'abondance qui est présente, en plus l'abondance qui est ici avec le oui, l'abondance qui est avec ça. Donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à l'heure actuelle dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Et qui vous empêche justement d'accéder à cette abondance-là. Et en prenant la décision de rompre et de couper le lien qui vous unit avec ça, l'abondance reviendra à ce moment-là. Donc vraiment, on a quelque chose ici qui bloque, hein. Je sais pas ce que ça peut être. On n'a pas de carte qui précise d'où l'origine du blocage, mais on a quelque chose ici qui bloque.
Et tant que cette chose bloque, tant que cette chose est présente, vous ne pourrez pas accéder à l'abondance. Mais grâce à la coupure de ce lien, on a l'abondance qui arrive. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, regardez comme ça, encore une fois, hein, les cartes sont logiques entre elles. On a sur la rune Alagaz, on a les obstacles. Donc les obstacles, c'est ce que je viens de vous dire. L'obstacle, pour moi, c'est ce ruban, hein, c'est cette dépendance, c'est cette addiction, c'est ce lien qui vous retient. Pour moi, c'est ça l'obstacle. Donc il va d'abord falloir passer par cette destruction de l'obstacle. Et le mystère, eh bien, il se manifeste ici avec le dé, hein, puisque le dé, c'est le hasard, c'est ce qui symbolise le hasard, c'est pas la chance, hein, attention, ne confondez pas, le dé n'est pas le symbole de la chance, le dé c'est le symbole du hasard. Et entre autres, hein, vous connaissez cet adage que je dis et redis régulièrement, alea iacta est, hein, qui veut dire en latin le sort en est jeté, et c'est vraiment représentatif du dé, c'est-à-dire que lorsque vous lancez les dés, eh bien vous ne pouvez plus rien faire, hein, vous ne pouvez pas arrêter les dés dans leur course, non, vous pouvez être que spectateur et témoin de ce qui va se passer. Et bien là, c'est exactement ça, et le tirage se termine sur ce côté mystère et sur ce côté le destin est lancé dès à présent. Donc prenez vos décisions, faites ce que vous avez à faire, coupez les liens qui vous unissent, coupez ces addictions, laissez cette abondance rentrer dans votre vie et laissez faire les choses. Voilà. Les choses se feront, vous ne pourrez être que témoin de ces décisions que vous avez pu prendre. Allez, on va voir avec nos petites boules de cristal une union qui va s'officialiser. C'est marrant, vous avez vu, c'est pas n'importe quelle carte qui vient d'être éjectée du paquet. Ça nous parle d'une union qui va s'officialiser. Et on a quoi ici? On a le contrat justement qui est signé. Donc vous savez quoi, cette carte-là, ben, on va se la garder. On va se la garder, on va se la mettre là. Parce que pour moi, c'est un signe et c'est une réponse. Allez, on y va. J'ai envie de commencer ici. Des démarches légales à réaliser. Vous voyez, ça nous confirme encore une fois ce lien avec les papiers. C'est fou, hein? La cohérence avec les jeux, ça me sidère toujours autant. Puis vous avez vu, toutes les semaines, hein, ça le fait toutes les semaines. Hein. Donc les démarches légales à réaliser, bah oui, forcément, comme je vous l'ai dit, hein, si ici on a cette réponse, oui, on a cette abondance, on a les choses ensuite à venir, hein, qui vont se faire. On a le contrat ici qui est signé. En plus, tout à l'heure, je vous parlais de papier, je vous parlais de choses, hein, je vous parlais de justice, de divorce, de papier, de vente, de mutation, de déménagement, etc., etc. Et ben oui, forcément, tout ça implique automatiquement des démarches légales à réaliser. Avec l'union qui va s'officialiser, j'adore. Ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Ok, donc ça c'est intéressant aussi, puisque clairement, tant que... Voilà. Ça, c'est la suite, d'accord? C'est les conséquences. Tant que ça n'a pas été fait, à savoir cette prise de décision, prendre conscience de ce lien qui vous unit, hein, donc ça, je vous le rappelle, vous mettez ce que vous voulez derrière cette carte. Mais tant que ce lien n'a pas été brisé, que vous n'avez pas extrait, vous n'avez pas arraché, vous n'avez pas pris la décision de faire du vide, de faire du ménage, de partir, etc., etc., les choses ne pourront pas se faire. Donc là, on a encore une suite logique dans comment ça s'appelle? Dans la trame du temps. Alors, la trahison à venir. Ça, c'est intéressant parce que ça peut nous donner une petite précision par rapport à l'œil, d'avoir un œil ouvert, hein, d'être vigilant. Parce que toute nouveauté, tout changement, toute chose, hein, puisque rappelez-vous, on a quand même la carte, enfin, sur la rune, on a le mot obstacle, donc il faut quand même être prêté vigilant, hein. Parce que parfois, quand les choses ont tendance à se faire, surtout quand on parle de démarches légales à faire, il faut toujours être vigilant. Hein. L'œil ici, ça peut être l'œil de ouvrez l'œil, mais surtout ouvrez le bon. Soyez vigilants, soyez attentifs, parce que si on nous parle de démarches à réaliser cette semaine, vous savez, il y a toujours des tout petits caractères, hein, sur les contrats. Tout en bas, vous avez toujours des tout petits caractères écrits en Times New Roman taille 5, hein, qu'on ne voit même pas à la loupe. Et puis, ces petits caractères-là, eh bien, ils vous engagent à faire ceci, à faire cela, etc. Eh bien, c'est ça, pour moi, la trahison, elle est liée aux démarches légales à venir, plus l'œil, plus l'obstacle, plus le
contrat, c'est le fait de faire attention si jamais cette semaine vous êtes dans les papiers administratifs, légaux, juridiques, etc., etc. Regardez bien tout avant de signer, avant de vous engager, avant de faire quoi que ce soit. Analysez absolument tout. Et enfin, un mensonge caché. Alors, le mensonge caché, ça peut être ce que je vous disais avec le fait de passer de la nuit au jour, du noir, etc. Avec la carte des genres, hein, rappelez-vous que je vous ai pris l'exemple de la relation qui était amitié, et puis finalement cet ami qui vous avouerait que non, en fait c'était de l'amour. Donc le mensonge, les mensonges ne sont pas tous mauvais, donc ne voyez pas cette carte comme quelque chose de négatif. Un mensonge, parfois on peut user de mensonges ou de subterfuges pour cacher une vérité qui serait peut-être plus dérangeante que de dire un mensonge. Hein, parfois, même si le mensonge en règle générale n'est pas bien, parfois il peut être utile pour protéger quelqu'un, d'accord? Donc il faut savoir faire recours à des subterfuges, voilà, à des petits mensonges pour protéger la personne ou pour protéger la vérité qui parfois est plus dérangeante que ce qu'on veut faire croire. Donc voilà, pour moi, ici, ce mensonge caché, je le vois pas nécessairement négatif. Après, attention, ça ne veut pas dire que le mensonge sera positif. Ça peut être quelque chose de négatif. Mais là, tout de suite, par rapport au tirage, moi, tel que je le ressens, je ne le vois pas forcément comme un mensonge négatif. Ce serait plutôt quelque chose qui arrange surtout là où il est situé. D'accord? Le mensonge, il serait plutôt situé par là, je vous dirais oui, d'être plus vigilant. Mais là où il est situé, avec la réponse oui, en plus, c'est comme si vous connaissiez déjà la réponse par rapport à ce mensonge. Donc voilà, pour moi, c'est je le vois pas comme quelque chose de négatif. Allez, on y va maintenant pour qu'est-ce que je voulais faire? Pour les énergies d'amour. Donc on va utiliser l'oracle. Regardez les cartes qui viennent de sortir. C'est marrant, regardez les cartes qui ont été éjectées. On a la carte de l'usine, on a la carte de l'abondance. C'est et puis j'ai pas pris les lames à l'envers, hein, mais c'est marrant. Donc énergie d'amour, je vous lisais, donc à gauche célibataire, à droite couple, comme d'habitude. Oh! Allez, on y va. Nous avons le monsieur qui peut être le consultant, nous avons l'escargot, nous avons l'été, nous avons l'amour. C'est marrant parce que si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a sorti quasiment les mêmes cartes que la semaine dernière. Quasiment. Il n'y avait pas la carte de l'amour. Alors, là c'est intéressant parce que le monsieur, ça peut représenter le consultant. Donc là, je vous rappelle, c'est pour les célibataires. Le monsieur, ne prenez pas forcément le monsieur comme image, hein. Ça peut être le consultant en règle générale, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes, je sais pas moi, une licorne. Hein? Aujourd'hui, il faut accepter tous les genres, donc peut-être que vous êtes une licorne, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, ici, c'est la carte du consultant. Ici, ça nous parle justement dans les relations amoureuses des choses qui sont lentes, des choses qui avancent très très doucement. Donc, il est fort probable que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire ou alors que vous rencontrez des personnes avec qui ça dure voilà, 2, 3 jours, une semaine, un grand maximum, voire au mieux 2 semaines ou 1 mois. Mais voilà, ça n'aboutit jamais à rien et vous retombez toujours dans ce cercle du célibat. Pour moi, l'été, ça peut représenter plein de choses. Ça peut représenter soit une période de 3 mois, donc auquel cas ça nous pousserait à novembre, ou à novembre si on n'est que le 10, donc novembre, décembre, janvier, ouais, ça nous pousserait vers fin janvier, début février. Hein, quelque chose comme ça. Donc ça peut nous parler d'une période de 3 mois, comme ça peut nous parler véritablement de la période estivale, donc auquel cas ça nous pousse à plusieurs mois encore. Mais on a cette notion de temps et qu'il vous faut du temps. Parce que moi je sais pas pourquoi quand je vois cette carte, la plage, les tongs, les lunettes de soleil, le cocktail, on est bien ici. On est bien, on n'a pas envie de bouger en fait. Hein, comme si on nous invitait ici à savourer.
Hein, savourer le temps qui défile. Donc pour moi, c'est laisser faire les choses, le conseil de la semaine. Ben, malheureusement pour vous, hein, je suis désolé, ça va encore être similaire par rapport à la semaine dernière. Mais ne forcez pas. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment, donc ne forcez pas. Pour moi, ici, on vous invite à profiter, profiter de la vie. Les choses ne se font pas pour le moment, eh bien, laissez faire. Hein, les énergies ne s'y prêtent pas en ce moment. En même temps, c'est un petit peu logique. C'est vrai que l'hiver, on a tendance à moins sortir, on fait moins de choses, on est plus à l'intérieur en train de coucouner. Donc automatiquement, quand on sort moins, on divise les risques potentiels de pouvoir faire des rencontres. C'est logique aussi. Hein. Donc pour moi, mais ça ne veut pas dire que on ne fait aucune rencontre en hiver. Non, mais c'est vrai que la période hivernale se prête moins à faire des rencontres qu'en période estivale, quand on est en vacances, quand on sort, quand on va se boire un verre sur la terrasse d'un café jusqu'à 22h. Hein, automatiquement, ça multiplie les chances. Là, c'est vrai que les choses sont longues, elles sont lentes, ça n'avance pas. Mais pour moi ici, c'est profiter. Voilà, profiter de ce temps qui s'écoule, profiter de cet instant privilégié. Hein, parce que regardez la paire de tongs, il y en a une, il n'y en a pas deux. Pareil, la paire de lunettes de soleil, il y en a une seule, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul verre de cocktail aussi, vous voyez? Donc ici, c'est une personne seule qui est en train de profiter de la plage. Donc profitez de cet instant privilégié qui est uniquement pour vous. Mais ici, on a la carte de l'amour. L'amour est présent. Donc ce qui veut dire que ça va venir, ça viendra, c'est prévu. Mais d'abord, profitez de ce temps. Hein. Comme je le dis souvent, ne vous considérez pas comme seul, mais comme libre. Et vous verrez que ça fait toute la différence. Parce qu'une personne seule, c'est plutôt négatif, c'est plutôt péjoratif. Hein. Que si vous êtes, enfin si vous vous dites être libre, ça change absolument tout. Et surtout, vous envoyez une image positive. Parce que si vous dites à quelqu'un, oui, je suis seul, bah, ça fait un peu, tu veux pas être mon bouche-trou, quoi, en gros. Que si vous dites, je suis quelqu'un de libre, et que vous montrez que vous avez une vie palpitante en étant libre, eh ben, ça donnera l'image de, est-ce que tu veux partager cette liberté avec moi? Vous voyez, ça change tout, hein, les formes sont très différentes. Allez, on a le crâne qui pour moi représente l'esprit. On a les médicaments qui représentent les addictions, les dépendances. Alors c'est marrant parce que on a trois cartes différentes. On a une carte positive, une carte négative, une carte d'action. Ici, alors ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que regardez ici, on a le bouquet de roses, hein, le couple de roses qui est présent sur l'amour. Donc ça, c'est une très belle image puisque ça nous parle de rencontres et de belles rencontres. Ça nous parle de couple ici. Donc l'amour est là. Mais pas pour le moment, hein. Il va venir. Mais avant ça, pour moi ici, la carte de l'esprit, ça peut représenter plein de choses. Ça peut être le lien avec les ancêtres. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'amour, les ancêtres? Eh bien effectivement, il n'y en a pas. Si, mais il y en a quand même un. À savoir que les ancêtres, ça peut être par exemple, peut-être que vous êtes trop ancré dans vos souvenirs et dans votre passé. Peut-être que vous avez une image un peu idyllique de qu'est-ce que ça serait une relation. Peut-être que vous avez pris le meilleur de toutes vos relations passées et que vous en avez fait une sorte de chimère. Et c'est cette chimère-là que vous recherchez. Sauf que, eh bien, je suis désolé de vous le dire. Mais l'amour n'est pas parfait. Il ne sera jamais comme vous vous l'imaginez. Eh ouais, je sais, je casse les mythes là, je casse tous vos rêves, je sais. Mais c'est la réalité. L'amour, il est fait de concessions, il est fait d'acceptation, de tolérance. Il n'est pas fait de chimères, de fantasmes et d'idéologie. Hein. L'amour, c'est pas ça. Hein. Quand je vois par exemple mon chéri, Cédric, aussi parfait soit-il, il n'est pas parfait sur plein de domaines et sur plein de petites choses. On pourrait y revoir, on pourrait y discuter dessus. Mais voilà. Il est tel qu'il est et c'est ça que j'aime justement. Eh ben l'amour c'est ça, c'est donc débarrassez-vous de ces chimères, débarrassez-vous de ces liens, débarrassez-vous de ces souvenirs d'ancêtres entre guillemets. Hein, donc c'est ce que je vous ai expliqué, le fait d'extraire le meilleur de toutes les relations pour en faire une chimère. Donc débarrassez-vous de tout ça et acceptez tout simplement l'amour quand il se présentera à vous, parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas parfait, qu'il ne soit pas l'image que vous en faisiez, mais il faudra l'accepter tel qu'il est. Et ici, eh ben,
Je pense que c'est la continuité, hein, puisque les cachets ici, ça nous parle d'addiction, hein, d'addiction en tout genre. Peut-être que vous êtes addict à l'amour dans le sens où, voilà, pour vous, vous êtes fixé cette chimère, vous êtes fixé certaines choses, vous êtes accro à certaines choses en termes amoureuses. Et pareil, il va falloir se débarrasser de ces choses-là. Hein. En plus, on est dans cette semaine, on est dans cette dynamique énergétique de se débarrasser justement de ce qui ne nous convient plus. Les addictions en font partie et on peut très bien être addict à l'amour et justement. Justement, parfois, quand on est accro à l'amour, on a tendance à refaire les mêmes bêtises tout le temps parce qu'on supporte mal d'être seul. Donc, du coup, on va un petit peu se jeter dans les bras de la première venue ou du premier venu. Hein. Et c'est comme ça qu'on reproduit un peu les mêmes schémas et qu'on finit aussi toujours pareil. Oui, parce qu'on reproduit toujours pareil. Là, on vous invite à profiter justement du temps. Hein. Et le fait de casser ces addictions, c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être casser aussi les schémas et les situations dans lesquelles vous replongez tout le temps. Allez, on y va maintenant pour les couples. Allez, pour nos amis les couples, nous avons les festivités, le choix, le présent et la mort. Ah bon, décidément, la mort cette semaine. Hein. Alors, on se calme, d'accord, hein, ça ne nous parle pas de rupture, ça ne nous parle pas de mort, hein, votre mari ou votre épouse ne va pas mourir cette semaine. Enfin. Inch'Allah. Donc on se calme, hein, on ne panique pas. Pour moi, la mort, encore une fois, et puis surtout sur l'oracle de Sceaux, regardez la mort, on a ici aussi l'onde. Hein, l'onde de vie comme la carte du fantabuleux. Donc c'est pas la mort comme on pourrait le penser, ça peut être la mort effectivement. Mais ici, pour moi, dans le couple, je pense que c'est la fin de quelque chose, puisqu'en plus on a le choix ici. Hein, on va avoir des choix qui vont se présenter cette semaine. Alors, pour moi, cette semaine, étrangement, la mort, je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif pour les couples cette semaine, pas du tout comme quelque chose de négatif. Mais je vois un caractère léger qui va se faire cette semaine, à savoir les festivités, c'est le fait de se réjouir. Peut-être que cette semaine, je ne sais pas, vous allez être invité à des anniversaires, à des crémaillères, à des cocktails, des soirées, ou peut-être que c'est vous qui allez décider pour agrémenter un peu votre couple ou casser les habitudes. Eh bien, tiens, soir, on va se faire un petit apéro. Alors, je parle pas de beuverie, d'accord? Mais peut-être que tous les soirs, vous allez peut-être décider de passer un moment privilégié avec votre compagne ou compagnon. Et du coup, vous allez vous faire un petit apéro, un petit dîner sympa. Alors, sans parler de resto et de dépenser, hein, ça peut très bien être un dîner en amoureux devant un plat de pâtes. Hein. Vous prenez par exemple, comment s'appelle La Belle et le Clochard. Hein, ils font un super dîner d'amoureux avec un simple plat de spaghettis. Donc on peut très bien faire un truc sympa. Mais voilà, c'est le fait, pour moi la festivité, c'est le fait, c'est les réjouissances, c'est c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la légèreté, on se prend plus la tête. Le choix ici en plus, c'est voilà, c'est avec le présent. Je sais pas comment vous dire ça, mais pour moi, cette semaine, je vois un vent de fraîcheur qui va venir souffler dans les couples. À savoir, on se prend plus la tête, on arrête de se disputer pour tout, pour rien, et on savoure juste la vie telle qu'elle se présente. Voilà. Surtout que les prises de tête parfois peuvent être complètement injustifiées ou complètement idiotes. Donc voilà, on se prend plus la tête. Et accepter le présent, pour moi, c'est le cadeau. C'est le cadeau de la vie. C'est remercier. Voilà, vous avez entre guillemets la chance d'être en couple quand on a un couple qui fonctionne bien. Eh bien, il faut être reconnaissant de ça. C'est un cadeau d'avoir un couple qui fonctionne bien avec voilà, quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Et il faut savoir remercier et accepter ça. Et pour moi, la mort ici, c'est voilà, la fin. On décide de plus prendre la tête, voilà, et on savoure les choses telles qu'elles sont. Donc automatiquement, c'est la fin de situations un peu conflictuelles, des disputes, des tensions, etc., etc. Allez, on va voir avec le petit oracle Is Love. Allez,
On a les dés. Oh, bon, décidément, les dés, hein, c'est quelque chose. Hein. Voilà. Alors, ici, cette carte-là, c'est la carte la plus importante parce que elle est unique dans le jeu d'Iselove. C'est la carte du soleil, enfin du soleil, c'est la lumière pure. C'est-à-dire que toutes les cartes négatives, elles sont atténuées, elles n'ont plus ce caractère négatif. Donc la mort n'a plus son caractère négatif, et ici les dés n'a plus son caractère négatif non plus. Donc pour moi, les dés, c'est à nouveau ce côté hasard, le fait de savourer, d'apprécier les choses telles qu'elles viennent au jour le jour, d'accord? En plus, c'est couplé avec le journal, donc le journal ici qui nous parle de nouvelles, donc ça peut être le fait de prendre des nouvelles de l'autre, hein. On est dans l'altruisme, dans la réciprocité, dans le partage avec l'autre, donc on va aux nouvelles de l'autre, on en prend, on en donne, etc. On est dans ce côté partage, dans ce côté réciproque et mutuel. Et surtout les dés qui nous parlent ici de hasard, d'accepter la vie telle qu'elle se présente au jour le jour. Voilà donc pour les énergies d'amour, mes chers amis. Allez, qu'est-ce que on continue avec? On continue avec le petit oracle grimoire de Ève. Allez, donc ça sera notre petit rituel à faire pour la semaine. Non. Quand j'en ai une seule, je la prends, mais quand j'en ai deux. Allez, on s'en prend une au hasard. Hop. Alors, cette semaine, notre petit rituel va être avec la Marjolaine qui nous parle de guérison. Formidable. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies. Soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. C'est pas beau ça, franchement? C'est magnifique? Magnifique. En plus, le jour, il est lundi. Lundi, on est férié. Donc, profitez de ce jour pour entamer ce processus de guérison qui durera toute la semaine. Et pour le coup, la guérison, j'ai envie de dire, elle est présente là, hein, sur tous les tirages. Elle est complètement présente. Enfin, sur tout, là, sur tout ce qu'on vient de faire, sur tout notre tableau, la guérison est présente. Débarrassez-vous des choses qui ne vous conviennent pas. Débarrassez-vous des addictions. Débarrassez-vous des liens. Laissez entrer l'abondance comme elle se présente dans votre vie. Acceptez les cadeaux de la vie. On est dans ce processus de guérison complet, hein. En plus, on a la mort quand même qui est bien présente, donc ça peut nous parler de deuil à faire. Peut-être qu'il y a des choses du passé où il faut accepter de les laisser partir, hein, pour pouvoir s'en guérir. Allez, on y va avec les réponses aux questions précises. Donc, vous connaissez le principe, hein, maintenant. Donc, si on a le roi de cœur qui sort dans les 13 premières cartes, ça sera un oui. Si on a l'échec et mat qui sort, ça sera un non. Allez, vous êtes prêts? Je vous laisse poser donc votre question à haute voix ou dans votre tête. Allez, vous êtes prêts, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, le roi de cœur n'est pas sorti, il m'a fait mentir. Donc du coup, c'est un peut-être. C'est pas oui, c'est pas non, c'est un peut-être. Ça veut peut-être dire aussi que c'est peut-être pas forcément pour cette semaine, d'accord? C'est pas non, c'est pas oui, tout simplement. C'est peut-être. Peut-être ou pas pour cette semaine. Allez, on va voir avec les pièces de fortune. Attention, vous ne trichez pas, d'accord? Vous posez une question différente. Vous ne reposez pas la même question, hein, parce que vous n'avez pas eu de réponse avec l'oracle des merveilles. Vous posez une autre question, vous ne trichez pas, parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt de reposer la même question. Vous allez juste fausser les réponses, d'accord? C'est important, hein, Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous le dis, ça fausse la réponse, hein. Allez, on y va. Pour la seconde question. On a un nom. On a un nom.
Et on a, elle est partie. Alors, c'est tombé sur la face oui. À la base, c'est tombé sur la face oui. Pour le principe, vu qu'elle était cassée, voilà. Si c'était oui, ça devait ressortir oui. Donc on a deux non et un oui, donc ça tendrait plutôt à non, mais c'est pas un non définitif non plus, d'accord? Hein, c'est deux non contre un oui. C'est plutôt non, mais c'est pas définitif, c'est pas gravé dans le marbre. Allez, on finit donc avec notre petite baguette chinoise. Et aujourd'hui, nous avons 15 baguettes qui est sortie. Allez, on y va. Ah bah. Allez, c'est la numéro 35 qui est sortie. Je sais pas pourquoi je vous les montre toujours parce que vous ne voyez strictement rien, c'est tellement écrit petit. Alors, la 35. La 35 nous dit: D'après ce poème, vous n'aboutirez à rien sans avoir connu en chemin l'inquiétude et la souffrance. Soyez prudent et sachez faire preuve de discernement avant de vous embarquer dans un nouveau projet, mais une fois votre décision prise, mettez toutes vos forces dans l'entreprise. Ne soyez pas découragé par les difficultés que vous rencontrerez et vous réussirez. Essayez d'anticiper les problèmes avant qu'ils se présentent, de façon à être prêt à les régler. Faites de votre mieux pour vous réconcilier avec les amis ou la famille dont vous êtes habituellement éloigné et ne craignez pas de vous engager dans une relation. Eh bien, les amis, ça résume bien notre tirage puisque ça nous parle d'engagement, etc. Ça tombe bien, on a le contrat ici, on a les liens qui sont présents aussi. Ça nous parlait de difficultés, ça tombe bien, on a les obstacles aussi, de ne pas vous décourager, de continuer à avancer, que les choses viendraient, hein, ça nous parlait d'abondance, de choses qui augmenteraient. Eh bien, encore une fois, on est complètement dans la thématique de il faut savoir se débarrasser de ce qui est négatif, ne pas renoncer, continuer malgré les obstacles et l'adversité, et vous finirez par triompher et les choses viendront à vous naturellement et normalement. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies de la semaine. Je vous invite à ne pas quitter la vidéo puisque on marque une très courte pause et on passe maintenant à l'astrochance de la semaine. Allez, un petit coup de bol tibétain pour nous mettre dans l'ambiance. Donc, nous revoici avec l'astrochance de la semaine. Donc, bah, c'est la même semaine que pour les énergies du jour, à savoir la semaine du, je sais même plus quand, du 11 au 17. Oui, voilà, c'est ça. Je vérifiais quand même pour pas vous dire de bêtises. Allez, vous connaissez le principe. Je vais quand même faire une petite piqûre de rappel pour les nouveaux qui regarderait. Donc l'astrochance, on va utiliser l'art de la quibomancie, donc qui est l'art divinatoire par les dés. J'utilise deux sets de dés. Le premier sont des dés bleus. Enfin non, on va commencer dans l'ordre plutôt, on va commencer avec les noirs. Donc nous avons 6 faces avec, comme vous le voyez, des plus 5, plus 3, plus 2, ça va jusqu'à 6. Donc pour un score total de 24 points, et on a des dés bonus, un peu comme au loto où vous avez les étoiles, avec des plus, des moins et des faces neutres qui viendront soit soustraire ou additionner des points bonus pour compléter votre score, passant de 24 à 28 au maximum, et au minimum, eh bien 0, hein, puisque minimum c'est 4 as moins 4 soustractions, ben, ça vous fait 4 moins 4, ça fait 0. Allez, on y va tout de suite avec les béliers pour cette semaine. Alors, nos amis les béliers, on a 4 et 4, 8 et 2, 10 et 5, 15, ça commence déjà bien. 15 moins 2, bon, on passe à 13, c'est moins bien. Mais on a un plus, ça nous fait 14. Bon, les béliers, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc la chance est présente avec vous pour cette semaine. Petite aparté, hein, là je suis pas en train de vous prédire votre taux de chance, à vous dire si vous avez un score très faible, ne sortez pas de chez vous. Non, c'est simplement pour vous aiguiller sur les énergies de la chance. Hein, voilà, c'est juste pour vous dire si vous avez envie de faire certaines choses, est-ce que c'est propice ou non, d'accord? Ça ne doit pas dicter votre vie. Allez, parenthèse fermée. Donc pour les amis béliers, j'avais dit combien? 15, 13, 14. Voilà, donc 14, vous êtes légèrement au-dessus de la moyenne, donc ce qui veut dire que c'est plutôt favorable si vous voulez réaliser des projets ou vous lancer dans de nouvelles choses. C'est pas une très grande chance, mais quand même, c'est placé sous de bons augures.
Allez, les taureaux. Les taureaux, on a 5 et 5, 10 et 3, 13, on a un moins, on a un plus, donc on reste à 13. Pour vous, mes amis taureaux, on est légèrement inférieur que les béliers, mais ça reste quand même une chance qui est relativement positive. Donc pareil, c'est placé sous de bons augures si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles choses. Après, on reste sur les énergies de la semaine, hein, donc il y a d'abord des choses à régler si on veut pouvoir se lancer dans de nouvelles choses. Hein, forcément, si vous ne réglez pas les choses qui sont en suspens ou qui vous rattachent, vous diminuez votre taux de chance, hein, ça paraît logique. Donc on se débarrasse d'abord des choses qui doivent être réglées avant de se lancer dans de nouvelles choses. Les Gémeaux. Les Gémeaux, avec un score de 6 et 3, 9 et de 11 et de 13, 13, on a 2 moins, ça passe à 11 les Gémeaux, on est en dessous de la moyenne. Ce qui veut dire que pour vos prises de décision de cette semaine, eh bien, la chance n'est pas vraiment favorable. Elle ne sera pas vraiment de votre côté pour vous accompagner dans vos démarches ou dans vos projets ou vos idées. Donc on va plutôt se contenter de ce qu'on a. Hein. S'il y a des choses qui se présentent à vous, eh bien saisissez-les, hein, c'est qu'elles vous auront été envoyées. Par contre, de vous-même, ne vous lancez pas dans de nouvelles activités à risque. Les cancers. Alors, les cancers avec 6 et 4, 10, 10 et 5, 15 et de 17 et on a un plus, ça fait 18. Eh bien les cancers, c'est une jolie chance que vous avez cette semaine. Donc profitez-en, si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles aventures ou dans de nouvelles choses, c'est le moment propice pour le faire, la chance est avec vous, elle sera de votre côté pour vous motiver, pour vous aider, pour vous protéger. Donc vraiment là, c'est placé sous de bons augures si vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets. Les lions. Les lions, on a 4 et 3, 7 et 2, 9 et 1, 10. 10, heureusement pour vous, les lions, vous avez 3 plus, on passe à 13, hein, parce que vous étiez en dessous de la moyenne. Donc 13, ça va, c'est une chance qui est relativement bonne, qui est légèrement au-dessus de la moyenne. Puisque moi, ma moyenne, je la fixe à 12, hein, par rapport au score maximum de 24, je ne compte pas les débonus. Donc 13, vous êtes au-dessus de la moyenne, comme pour les taureaux, donc c'est placé sous de bons augures également. Vos chances sont plutôt favorables. Si vous avez des prises de décision ou des choses que vous attendez, eh bien sachez que les réponses tendraient plutôt vers un oui. Alors c'est pas un grand oui, mais c'est un petit oui, c'est plutôt favorable. Allez, les vierges. Les vierges, ouh, ça me paraît pas mal ça les vierges, hein. Ouh, mais ça me paraît plus que bien les vierges, je pense que vous êtes les grands gagnants de cette semaine. 5 et 5, 10, 6 et 4, 10, ça nous fait 20, 20 et on a 3 plus, ça fait 23. Les vierges, vous avez 23 sur 24, ce qui veut dire que vous avez quasiment la chance maximale. Alors pour vous les vierges, cette semaine, j'ai envie de dire, vous pouvez faire n'importe quoi. Tentez ce que vous voulez, vous pouvez même aller au casino, jouer vos sous, je pense que vous devriez gagner. Alors attention, claquez pas tout votre salaire, d'accord, hein, parce que j'ai pas envie de voir des messages d'insultes en disant « Ouais, j'ai suivi ton conseil, je suis allé au casino, j'ai joué toute ma paye, j'ai tout perdu !» Non, mais vous pouvez jouer dans une certaine limite. À mon avis, je pense que cette semaine, si vous avez envie de prendre un petit jeu à gratter ou n'importe quoi, la chance devrait être de votre côté. Et n'hésitez pas aussi à la provoquer. Quand on a un gros taux de chance, on peut se permettre de la provoquer un petit peu plus, hein, pour voir eh bien, jusqu'où elle va aller, cette chance. Donc pour vous les vierges, vous êtes quasiment au maximum hein, du score de la chance. Donc pour vous, normalement, cette semaine, tout devrait vous réussir. Hein. Les réponses vont tomber en oui, les portes devraient s'ouvrir, les blocages vont se lever. Voilà, en toute logique, pour vous les vierges, c'est une très belle semaine niveau chance. Les balances. Les balances avec 4 et 1, 5 et 5, 10 et 1, 11, 11, 11, moins 2, ça porte à 9 pour vous les balances. Ah oui, alors on passe d'un extrême à l'autre. Hein. Donc pour vous les balances, à l'inverse, on évite de jouer au casino, on évite de trop provoquer, on se contente plutôt de ce qu'on a, on évite de se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles idées. Voilà, on reste tranquille, cocooning cette semaine pour vous les balances. Allez, les scorpions.
Les scorpions avec 5 et 4, 1 et 1, ça nous fait 10 et 2, 12, 12, ah, 12, 12, et vous avez 3, ça nous porte à 15. Les scorpions, c'est une jolie chance. Comme les béliers, les taureaux, vous êtes dans les mêmes moyennes à peu près, hein. Il n'y a que les vierges pour le moment qui tirent leur épingle du jeu. Mais donc les scorpions, vous avez une belle chance aussi qui est favorable. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des idées, si vous avez des choses, si vous attendez des réponses, si vous avez envie, moi je sais pas, moi, pourquoi pas de demander un prêt, je vais y arriver. De demander un prêt, ou voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelque chose d'assez spécifique, ça devrait vous être accordé cette semaine. Donc n'hésitez pas. Allez, si on continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, je voyais 9, je me disais, qu'est-ce que c'est? J'ai pas de 9, moi. Alors, 9, 6 et 4, 10 et 3, 13 et 1, 14. 14, on a 2 plus, ça porte à 16. Eh bien, les Sagittaires, vous avez une jolie chance aussi cette semaine. C'est marrant, on est à 13, 14, 15, 16. Donc, Sagittaires, belle chance également. Hein. Vous pouvez vous permettre de prendre votre arc et de viser la lune. Vous devriez l'atteindre. Attention quand même à ne pas trop être gourmand, mais voilà, soyez optimiste, soyez allez de l'avant, n'hésitez pas à explorer des sentiers que vous n'oseriez pas d'habitude. La chance est avec vous pour vous accompagner dans votre voyage. Les Capricornes. Les Capricornes, oh mais les Capricornes, ils ont une jolie chance aussi, 6 et 4, 10, 5 et 1, 6, ça nous fait 16, 16, ah c'est bête, on a 2 moins, on a 2 plus, du coup ça reste à 16, je voyais les plus, je voyais pas les moins. Bon 16, ça reste très joli aussi, c'est plus qu'honorable pour une chance. Donc cette semaine pour vous mes amis Capricornes, pareil, les choses devraient vous sourire de façon relative, mais quand même hein, plutôt positivement. Donc si vous avez des attentes, si vous avez des envies, c'est le moment de les réaliser, c'est le moment de vous lancer, hein, le moment est totalement opportun et favorable, donc faites-le, osez. Les Verseaux. Les Verseaux avec 5 et 3, 8 et 2, 10 et 2, 12. 12, on a un moins, on a un plus, donc vous restez à 12. Les Verseaux, vous êtes pile poil dans la moyenne. Ça veut dire pour vous, mes amis Verseaux, eh bien que la chance dépendra vraiment de vos choix et de vos actes. Hein. Soit les choses sont placées sous un augure positif et auquel cas vous aurez une conséquence et une réponse positive. Soit au contraire, la chose ne devait pas se faire et il n'y aura pas de conséquence, mais simplement ça ne se fera pas. Vraiment, ça dépendra de vos actions, de vos idées, de vos entreprises, de ce que vous déciderez de faire. Voilà, ce sera, j'ai envie de dire, quitte ou double. Et enfin, les Poissons. Allez, les Poissons, 26. Eh ben non, pas 26. Alors, si c'est un 7 et 3, 10 et un 11, moins 1, ça fait 10, mais plus 2, ça fait 12. Bah, les Poissons, pareil, hein, c'est comme les Verseaux, on est pile poil au milieu. Donc, les Poissons... J'ai envie de dire, c'est pareil, même conseil pour les Verseaux. Tout dépendra de vos actions, de vos décisions. C'est quitte ou double. Soit les choses se feront parce qu'elles doivent se faire, soit ça ne se fera pas sans conséquence parce que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Voilà, ça dépendra vraiment du moment, de vos idées, de ce que vous voulez faire. Tout dépendra de vous, mes amis Poissons. Voilà, mes chers amis, pour ces énergies de la semaine. Vous avez tout entre vos mains. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne semaine. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous à tous.